Martin, on va devant lui pour Daigle. Daigle se déplace quelque peu, remet de Grosjelli qui est venu prendre son poste à la ligne bleue. Pour Pio Roy, Roy s'avance, hésite quelque peu, retourne à de Grosjelli. Tire devant le gardien à l'arrêt et Martin qui se fait voler un but par Gravel. Et c'est Desgroselli qui vient reprendre. Dans sa zone, il laisse à Desrochers. Desrochers vers le centre pour Nadeau. Mauvaise réception. Vetrano tente de traîner la rondelle. Zone adverse, c'est perdu. Contre-attaque. C'est l'Armada qui s'amène. Le tir, voilà le but. Gendron, Alexis Gendron qui marque le premier but du match. Il avait une petite ouverture à la droite de Duto qui est battu 1-0 l'Armada. Oui, c'est dommage pour les Tigres. C'était l'une des rares incursions de l'Armada, zone offensive. Et on en a parlé dans l'avant-match, Alexis Gendron, qui est vraiment là, l'attaquant là, qui connaît beaucoup de succès du côté de l'Armada, s'est amené dans l'aile. Et je crois que son tir a peut-être même dévié sur le bâton du défenseur. J'ai entendu le son. Là. On va revoir. Mais il y a eu un contact avec le bâton de Grosjelli. Étendu sur la patinoire. Et pendant ce temps-là, l'attaque se poursuit. Voilà Boutin. Boutin en entrée de territoire. Boutin laisse derrière pour Brisson. Le tir, arrêt du tout, voilà le but. Un beau but. Ouais. On s'est amené vers le filet. On a réussi à marquer sur un retour de derrière. Voilà, le Pellerin qui reprend dans sa zone. Martin. Passe au centre, c'est bien fait pour Martin. Possible de contrôle. Martin s'amène dans l'aile. Remet devant le filet. C'est bien fait pour Odette. Une fin de son tir. Et Gravel qui fait l'arrêt. On voit la chance devant le filet de... C'est Pellerin qui reprend. Pellerin s'amène sur la droite. Pellerin pousse la rondelle pour lui-même dans le coin. Reprend, remet devant le filet. Et Blouin, à bout portant, se fait voler par Gravel. Remis devant. Ça touche le défenseur. Là, ça, c'est noir pour l'Armada. C'est Michael Denis qui passe à la pointe. Voilà, Schmitt à la ligne bleue. Permutation de position. Fait un tir. Tire de la vigne. Ça rate la cible. Le retour de l'autre côté. Voilà le but. Ah, ça, on le sentait venir. Oui, absolument. C'était la pénalité ou le but. Ouais. On était complètement à bout de souffle en défensive chez les Tigres. Et c'est un but qui vient faire extrêmement mal aux Tigres. Là. À 3-0, l'Armada maintenant. 13-02 à faire à la deuxième période. 3-0, l'Armada. Qui sera plus difficile à remonter. Pierre Larondelle la reprend. Deuxième effort de Prisipov. Desrochers à la pointe pour Gorionov, pour Desrochers. Tire de loin Desrochers. Dévié devant le filet à le retour. Et encore une fois, Gravel qui ferme la porte. Antoine Roy, je crois. Mise en jeu remportée par les Tigres. Desgroselier pour Pio Roy à la pointe. Pio Roy s'avance quelque peu. Au cercle. Il utilise la rampe pour remettre à Desgroselier derrière. Tire de loin Desgroselier. La le retour. Voilà le but. Maxime Pellerin. Et c'est 3-1. Pellerin est bien positionné à l'embouchure du filet. C'est un tir de Desgroselier. Arrêt de Gravel et Pellerin réussit à pousser dans une cage complètement abandonnée. Les Tigres enfin profitent de l'avantage numérique. Et là, vont se remettre dans le match. C'est comme si c'était toujours 2-0 là, actuellement, à mi-chemin dans le match. Prochain but va devenir excessivement important parce que Pascal, tu sais, les avances de 3 buts, on a souvent vu des retours. Exact. Il faut dire que l'Armada n'a pas eu le temps de s'asseoir longtemps sur cette avance de 3 buts. À Félix Larose, on va faire du côté là, où Blouin n'a pas de bâton. Voilà Schmitt, là, il y a eu... Pellerin tente de faire circuler, c'est repris par Cardinal, on va contre la rampe. Greg Green se remet vers le centre, ça rejoint Mikluka. Mikluka s'amène en attaque. Attention. Cardinal devant pour Mikluka, voilà le but. La rondelle qui dévie dans le filet. Et c'est 4-1 l'Armada, un but inscrit à désavantage numérique. Ouais, celui-là, il va faire mal. Un but chanceux de l'Armada sur une contre-attaque. C'est pas compliqué. Là. 3 buts de l'Armada auraient pu être évités aujourd'hui. Là. Il y a eu le but là, sur Jérémy Michaud, alors que Jérémy Michaud plutôt était blessé là, et qu'on a laissé le jeu aller. Le but, alors qu'on tourbillonnait, là, qu'on était à bout de souffle. Et celui-là, un but qui va faire mal. Ça a dévié sur la palette de Groseillers. Il a soulevé son bâton. Là, Antoine Roy reprend la rondelle. Passe à la pointe pour Schmitt qui conserve habilement pour Lavigne. Tire de loin, là, ça touche un casque protecteur et belle arrête du tour. Avec son bâton, il y avait un filet complètement ouvert.